RCF. Gloire à Dieu, amis qui écoutez RCF. Jésus-Christ est né, Alléluia. Après avoir trouvé les origines du mystère de l'incarnation dans la Bible, le magistère et les écrits des pères de l'Église, nous allons nous interroger aujourd'hui avec saint Ephrem sur le pourquoi de ce mystère. Les pères de l'Église ont appartenu à la période des débuts de l'Église. Le père Henri de Lubac les appelait « nos pères dans la foi ». Ces hommes ont mené une vie sainte et ont défendu la foi chrétienne. Pourquoi le Seigneur a-t-il revêtu un corps humain? À cette question, saint Ephrem répond. Le Seigneur a revêtu un corps humain pour que l'homme goûte la victoire et que les hommes connaissent et comprennent les dons de Dieu. Le Seigneur a revêtu un corps humain pour que l'homme soit capable d'approcher Dieu. Ainsi, soulevés comme par des ailes, tous les hommes se reposeraient sur lui seul en paix. Le Seigneur a revêtu un corps humain pour rendre à l'homme sa santé première. Dans la liturgie maronite, nous lisons la généalogie de Jésus au dernier dimanche de l'Avent. Le goût pour les arbres généalogiques marque un désir d'appartenance à une famille où chacun trouve sa place. Un arbre qui porte la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Nous croyons que nous venons du désir même de Dieu, que notre vie trouve son origine en Dieu. Nous sommes les héritiers d'une histoire, celle de tous nos aînés, qui se sont laissés guider par Dieu. Depuis le temps de la Bible jusqu'aujourd'hui, ils forment le peuple de Dieu. Cette histoire du peuple de Dieu est aussi notre histoire. Dans son amour, Dieu a voulu nous greffer et faire de nous son peuple. Dieu nous a bénis. Oui, nous ne sommes pas les fruits du hasard. À nous d'écrire notre histoire sans oublier ou sans effacer l'histoire de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Soyons fiers des accomplissements de nos aînés et apprenons de leurs erreurs. Racontons cette histoire sainte, celle des origines. Les arbres généalogiques rappellent notre appartenance à une famille, comme un arbre qui pour grandir a besoin de racines solides. Restons attachés solidement à nos racines.